C'est ce que ça fait. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Magazine aujourd'hui. Magazine Lego Ninjago Legacy Comics du mois de novembre 2023. Et on commence direct avec les surprises. Là, vous avez la figurine Zayd Evo sans épaulettes, donc de Zayd, effectivement, hein, avec comme accessoire des cristaux de glace. Je vous montre quand même l'arrière de la figurine. Donc là, vous avez la figurine du Nindroid avec donc la tête et le torse Evo, les ici. Vous avez les jambes sans impression et vous avez la pièce de porte-sac à dos. Là, vous avez l'arrière de la tête ainsi que dans le sac à dos, du coup, donc une tile grille rouge transparente ainsi qu'une pièce de lingot en dark pearl gray en dark gray. Là vous avez l'arme qui est une espèce de hache cybernétique, un hydroïde, voilà, avec une scie au bout, un bout de hache transparent, voilà. Rien de bien dit. Maintenant, la carte. Donc là, oui, effectivement, vous avez la carte en édition limitée de Cole prêt au combat. C'est la carte LE12 et elle fait partie de la série 5 de cartes à collectionner Lego Ninjago. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, hein, qu'on avait déjà vu à certains endroits dans différents magazines, on va pouvoir maintenant voir le magazine en lui-même. Surtout ça, l'intérêt principal de ce magazine. Du coup, ici, vous avez une petite publicité pour les magazines Star Wars, voilà, avec notamment celui du clone de la 212e. Voilà, juste ici. Voilà, là, vous avez un petit récapitulatif de chaque ninja. Ensuite, vous avez le début de la BD. Voilà. Avec ici, pardon, la suite. Voilà, l'abonnement aussi avec les nouveaux magazines, notamment avec celui de Lloyd qui sort donc le mois prochain, ainsi que donc pareil pour Pixal et la Vipère qui sortent aussi le mois prochain. Suite ici donc de la BD. Alors effectivement, maintenant que c'est le troisième et dernier de la trilogie de Dark Island, il se peut que prochainement je vous sorte une vidéo où je vous lis effectivement les trois. Dans une seule et même vidéo, donc ça veut dire que vous aurez effectivement l'histoire, là une petite page sur le Blue Chain Store. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse, une fois que j'aurai fait le post commentaire, bien évidemment, voilà, parce que ça peut être super sympa. Je vous mettrai évidemment, du coup, si je le fais, les pages en fait en surimpression sur la vidéo, et donc vous aurez aussi ce qui se passe voilà, en images, vous n'aurez pas que de la lecture, quoi. Voilà, un petit peu, voilà, ici, suite de la BD encore une fois avec ici d'ailleurs sa fin je crois dans quelques instants voilà suite et fin avec ici le quiz donc de la BD Là, on a une petite publicité pour le magazine Marvel Avengers avec Iron Man. C'est la figurine qu'on peut retrouver notamment dans le calendrier de l'Avent et dans sa salle des armures. Et enfin, vous avez une petite page de publicité pour ce magazine Ninjago Legacy, dont vous avez déjà la vidéo sur la chaîne. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le prochain magazine? Voilà. Lloyd Evo sans épaulettes avec Overlord. Ça sort le 10 janvier 2024. Bon, c'est le piège des serpents. Alors moi, ça ne me dit rien. Comme ça ne me dit rien. C'est pas une histoire qui pour moi, voilà. Je crois que c'est une histoire qu'on a déjà lue en plus en magazine pour moi. Donc en gros, ce sera pas un magazine que je prendrai. Personnellement, ce sera pas un magazine que je prendrai. Néanmoins, je verrai peut-être. Pour le prendre, mais voilà, c'est pas un magazine que je prendrai d'office dès qu'il sortira. C'est vraiment si j'ai envie en fait. Voilà. Celui-là pour le coup, je voulais vraiment le prendre puisque celui-ci, hein, je voulais vraiment le prendre parce que bah, c'était l'île des ombres qu'on n'avait pas eu effectivement en France. Néanmoins, là vous n'avez pas de poster. Par contre, dans le prochain, il y aurait des posters. Donc voilà, là, deux super posters, on peut le voir ici. Voilà, à voir si. Bon, c'est pas ça qui vous fera acheter, bien évidemment. Mais voilà.
Donc voilà un petit peu donc pour ce magazine, hein, j'espère qu'il vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, moi je ne fais pas ce commentaire. Et voilà, bah du coup c'était le charbu qui vous dit bye bye.